Hello les youtubeurs et hello les youtubeuses. Donc c'est Titi donc à l'antenne, donc le youtubeur Titi. Et aujourd'hui donc nous allons faire du jeu streaming PC. Donc nous en sommes donc sur Geopolitical Simulator 4. Et je vais entre maintenant donc vous montrer. Nos services spécialisés se sont coordonnés avec les agences de com pour l'élaboration de la campagne. Elle sera lancée d'ici une quinzaine de jours. Ouais, super, parfait, merci. Alors je voulais dire que je vais vous montrer donc les facettes donc de tout ce qui est marqué donc ici dans cette vidéo. Avant de poursuivre donc la vidéo 2, puis ainsi de suite dans le jeu. Donc tout de suite le débriefing de toutes les catégories. C'est parti. Donc nous sommes ici donc dans le budget. Donc dans le budget, c'est tout ce qui est sécurité sociale, recherche intérieure, éducation, défense, industrie, transport, économie, affaires étrangères, emploi et social, services secrets, justice, agriculture, finance, etc. C'est tout ce qui est dans votre budget. Donc il faut que vous ayez au moins du vert partout, les amis. Plus les petites flèches vertes doivent. Les petites flèches donc qui est à côté donc du montant doit être en vert. Donc il faut absolument que votre économie soit aux normes. De ce qu'on donc on regardera ça plus tard dès qu'on commencera donc bien le jeu. Ensuite donc voici donc la catégorie dette. C'est où ce qu'il y a donc l'Eurogroupe et l'Union européenne qui va vous accorder donc prêt. En cas où que vous soyez donc en fait déficit donc ici où ce qu'il y a la flèche donc voilà je le montre donc ici déficit donc budgétaire nous il est en vert mais s'il est en rouge on demandera donc un prêt qui permettra donc d'alléger notre dette au maximum. Voilà ce qui est pour les dettes. Fiscalité, c'est tout ce qui est donc les lois. Moi j'ai déjà fait donc la TVA pour que ça aille à 19%. Pour le moment, donc c'est vraiment pour le moment le temps que on se refait un tout petit peu plus d'argent. Ensuite, dès que tout ira bien, on va commencer à augmenter au fur et à mesure du jeu et en voyant donc tous les besoins donc du public ainsi que de votre du parti. Donc je suis de la partie de gauche, donc je suis donc partie gauche gauchiste. Je vous montrerai après donc ma partie donc juste après. Ensuite donc vient ici donc la monnaie. Donc la monnaie c'est l'euro vu que nous sommes donc dans l'équipe dans le pays donc l'équipe moi. Voilà je suis toujours au foot. Mais on est plus dans le foot, on est donc en simulation. Ici on est donc dans la monnaie. Donc la monnaie c'est la finance économie où ce qu'il y a donc l'euro. Rien de plus beau, mais bon voilà. On n'aime pas trop cette monnaie, moi non plus je n'aime pas trop cette monnaie, mais bon voilà, on doit faire avec ce qu'on a. Alors, cette catégorie-ci est donc fonctionnaire. Alors fonctionnaire, c'est où ce qu'il y a donc toutes les salaires donc de fonctions, comme l'éducation, la recherche, la santé, police, armée et autres administrations. Donc c'est là où ce que on va gérer tout l'argent des salaires. La catégorie suivante est donc l'économie. L'économie, ben, c'est tout ce qui reprend tout ce qui est agriculteur, industrie, voilà. Donc pour le moment, on a une belle économie. Donc ça prend tout ce qui est ici. Hein. Donc pour le moment, ben voilà, notre ministre de l'économie est très joyeux. On a un taux de pourcent en économie qui est super bien. La valeur est pas mal. Donc on va continuer sur ce chemin. Voici donc ici donc la catégorie agriculture. Donc l'agriculture, comme tout le monde le sait bien, c'est où ce qu'on a donc les betteraves, les bananes, le café, le cacao. En fait, tous les besoins donc économiques pour créer donc les produits. Puis les industries, c'est où ce qu'il y a, donc où ce qu'on construit les voitures, tout ce qu'on construit, donc l'aluminium, on construit des bâtiments, on construit des chars blindés, des avions de chasse, des hélicoptères, des robots, des satellites, des soldats, enfin tout ça. Ensuite vient donc la catégorie donc service. Donc le service, c'est
c'est toutes sortes, tout ce qu'il y a, donc les banques, les chaînes TV, disques, films, loteries, opérateurs de communication, publicité, etc. Donc c'est là où ce qu'on a toutes sortes de services. Puis la catégorie est donc la catégorie suivante est donc l'énergie. L'énergie, c'est tout ce qui est donc électrique. Et on peut dire aussi, je pense aussi donc le gaz. Donc c'est le gaz, l'eau, donc l'eau, le gaz, c'est l'électricité. Donc avec le carburant, le charbon, vous voyez bien, donc l'électricité, elle est bien marquée là, le gaz, et le pétrole et l'uranium. Donc voilà où ce qu'il y a, donc on peut construire aussi donc tout ce qui est éolienne par exemple. Ben, c'est là où ce qu'on va faire donc la plupart de toutes les contrats si jamais il en faut. Ensuite vient donc la partie environnement. Environnement, ben c'est les déchets par exemple. Tout ce qui est déchets, pollution, c'est dans l'environnement. Tout ce qui est dans la flotte, c'est l'environnement. Tout ce qui est traitement dans les eaux, parce que vous avez bien vu, la Meuse, elle est très sale. Tout va là. Tout est dans l'environnement. Quand vous voyez donc la mer du Nord, parce que voilà, notre mer du Nord, elle est merdique, ça c'est certain. On se baignerait mieux plus la Méditerranée, par exemple, du côté de la France. Eh ben, c'est voilà, ça c'est un gros problème donc de l'environnement. Donc c'est là où on va régler donc nos problèmes environnementaux. Ensuite donc la catégorie suivante est donc la police. La police, donc on en a besoin. Si on a par exemple une émeute, parce on va sûrement en avoir des émeutes ou des manifestations, on va envoyer donc la police pour que il règne une certaine ordre d'État pour pas que les gens aussi fassent des homicides, des cambriolages, je ne sais pas moi, toutes sortes de trucs. Donc des morts violentes par exemple, ici on a par exemple 7,56 de décès. Or sur 9, par exemple, tués sur la route, on en a 752 sur 828. Ce qui est pas mal parce que voilà, on est en train d'améliorer. Donc pour moi, c'est super. Donc comme la criminalité, comme vous voyez ici, t'as 1,54. Donc on est déjà bien. Service secret, c'est tout ce qui est donc terroriste. Voilà, si on a par exemple, on doit aller infiltrer des terroristes, donc une partie des terroristes, voilà, le califat djihadiste, les combattants pour l'intégrité de la Belgique ou le djihad total ou le mafia russe, c'est là où on va faire l'infiltration et après l'infiltration, on ira donc dans le démantèlement donc pour supprimer quelques terroristes. Plus la sensibilité à la cybersécurité, donc cybersécurité qui veut dire donc la sécurité donc sur les ordinateurs, donc on en aura besoin. Ensuite de suite donc la catégorie suivante est donc la justice qui est donc le tribunal qu'on ne chipotera pas parce que je ne chipoterai pas donc à ce moment-là, sauf si on a trop de gens qui sont incarcérés, il faudra bien créer donc des prisons que vous voyez donc les pénitenciers à 270. Ensuite vient donc les migrations. Les migrations, les migrations, les étrangers, si on peut dire comme ceci. Donc il faut absolument regarder, par exemple, s'il n'y a pas de visa, ben, si on leur met un visa, voilà, on n'aurait pas de tourisme. Donc il faut faire attention à tout ça. Puis on a la catégorie donc armée. Donc l'armée, ben comme vous le connaissez très bien, donc ça c'est où il y a les tanks, les militaires, les commandos. Donc on peut construire tout ce qu'on veut ici. Voilà, on a des corps militaires, de terrestres, aériennes, navales, des corps réfugiés aussi. On peut leur mettre aussi en cas où. L'opération militaire, c'est si on fait une attaque par exemple dans un pays ou le défend. Puis la santé, sécurité sociale, c'est tout ce qui est santé, donc tout ce qui est hôpitaux, comme l'hôpital psychiatrique, la maternité, les centres sociaux aussi. Donc c'est là où ce qu'on va faire donc pour la santé. Ensuite vient donc le travail. Le travail, ben, c'est le chômage. Et bien sûr, le chômage, c'est un truc très inquiétant. Donc on doit faire très attention pour pas que le chômage augmente. Et ici, comme on voit donc sur la courbe ici, elle descend. Donc c'est super. Puis la catégorie suivante est donc la population. La population, c'est
Donc de dire toutes les origines, par exemple les origines italiennes, ben on en a 2,3. Français, on a 1,6 de français, 1,6% de français peut-être. Ça doit être sûrement ça. Donc on doit faire très attention. Au cas où c'est trop, il va falloir donc améliorer donc les capacités donc dans les logements. Donc, mais nous sommes donc la population totale est pour le moment de 11 543 018 habitants sur la Belgique. Dans le jeu, je parle. Hein. Puis vient la catégorie donc famille pour les allocations familiales, pour les naissances, pour la contraception, l'avortement homosexuel et l'homoparental. Donc tout ça sera expliqué juste après, mais c'est très rare que moi je m'en occupe. Alors ici vient donc la catégorie donc logement. C'est normal, il faut bien loger donc les petits terrestres de la Belgique. Donc il va bien falloir donc il faudra bien valoir que il faudra bien donc faire mettre les gens donc dans des maisons. Mais comme ici on n'en a pas besoin, donc pour le moment je mets pas de logement. Puis on vient donc dans la construction, par exemple des transports. On a la piste cyclable, les transports en commun, l'aviation, le métro, le TGV. On en a besoin. Donc voilà. Ici, tout est parfait pour le moment. On grimpe bien. Il faut garder une certaine puissance donc dans le transport. La catégorie donc suivante est donc l'éducation. L'éducation, c'est tout ce qui est école, école primaire, secondaire, supérieure. C'est ici où ce qu'on va s'occuper donc de tout ce qui est éducation. Donc par exemple ici on a 22 millions d'euros. On va essayer donc de réduire cela. Donc je vais le réduire, voilà, avec pendant qu'on est là, on va le réduire. Voilà, on est augmenté et on est dans le vert. Donc voilà, moi je vais rester dans le vert. Pourquoi? Parce que moi je dis que c'est pas parce que ici il est marqué aide à la fin à l'alphabétisme que tout doit être supérieur. Je ne trouve pas ça logique que tout doit être supérieur comme ça et que voilà, et de foutre l'argent par les fenêtres totalement. Donc il faut faire très attention à tout ça. Puis le service de recherche. Recherche, c'est tout ce qui est des découvertes. Par exemple, la découverte de fission nucléaire, la théorie unifiée, Holovision. C'est tout ce qui est de la science en fait. Donc voilà toute la catégorie donc de la science. Ensuite revient donc le recherche spatiale. Recherche spatiale, c'est tout ce qui est donc fusée et astronaute. Donc j'ai déjà demandé par exemple ici par exemple un programme à la Chine qui donc va lancer donc sa fusée. Et donc moi j'ai demandé à y participer. Donc on saura donc dans les prochains jours pour voir s'il y a moyen qu'on y participe. Puis la catégorie suivante est donc la culture. La culture, c'est quoi? Donc le théâtre, comédie, danse, les films, tout ce qui est bande dessinée, et bien tout ça va dans la culture. Ensuite vient donc le service média. Attention, qu'est-ce que c'est le média? C'est tout ce qui est télévision, téléphonie et internet. Donc il faut bien de l'internet. Donc voilà, où ce qu'on parle nous, c'est de l'internet. Donc c'est dans les médias. Puis on a la catégorie donc sport, les amis. Sport, c'est tout ce qui est donc football, équitation, natation, tout ce que vous voyez donc dans le sport est repris donc dans la rubrique sport. On y reviendra donc plus tard. Puis on a la nation. Donc voici par exemple la musique de la Belgique. Et c'est pas beau, mais si toutes les nations sont très belles, moi j'aime bien toutes les musiques nationales, il n'y a aucun souci, je les trouve très très beaux. Je trouve un beau petit son, plus notre petit drapeau est très beau, même la France, l'Angleterre, tous les pays sont très beaux. Donc voilà, moi j'aime bien tous les pays, je suis pas du tout raciste, je parle avec tout le monde, tout est super pas mal. Donc, pour le chef d'État, donc la réunion chef d'État, ben, on peut mettre par exemple la nomination du chef du gouvernement, si on a envie, eh ben, on peut marquer par exemple nommé à vie. Sauf que tout le monde va râler, donc on n'en chipote pas. Ici est la catégorie donc équipe, donc c'est tout ce qui est donc les ministres.
S'il y a un ministre qui démissionne, il faut bien le remplacer. Donc on va remplacer donc le ministre. Par exemple, le ministre de la Santé est à 55%. J'aime pas trop qu'il soit à 55%. On va lui parler, on va essayer de régler ça au plus vite pour que ça fasse pas tâche. Puis le niveau donc du Parlement. Bien sûr, on est au Parlement. Nous voici parce que nous sommes les mouvements des citoyens de la Belgique, donc avec 50 sièges. Donc le mouvement de la Belgique, ben voilà, on est gauche. Voilà, c'est notre parti politique. Donc c'est un nouveau parti politique que j'ai dû créer parce que j'ai été dans l'égalité juste avant. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu faire des dégâts avec des paramilitaires et ça n'a pas fonctionné. Donc il faut faire très attention à ça. Puis vient donc la catégorie donc élection, les amis. Élection où ce qu'on va nous mettre comme chef d'État. Et si on ne réussit pas donc les élections, eh ben on ira donc dans les catégories donc opposition. Et c'est là où je vous montrerai comment je fais une petite astuce pour gagner plus dans les élections et d'être dans les chefs d'État. Pour que ça soit dans les élections. Puis vient donc la catégorie donc diplomatie. Diplomatie, c'est tout ce qui est donc les ambassades à l'étranger, tout ce qui est les embarquants sur les armes, tout ce qui est les accords aussi. Vous avez donc les alliés qui sont ici, donc on est alliés par exemple avec la France, Luxembourg, l'Allemagne, avec le Mali, surtout que le Mali c'est quand même bizarre, avec la Grèce. Par exemple on a les économies qui sont ici, donc repris. Par exemple ici, ben, on voit bien qu'ici on peut aller en aval avec, donc, avec des bateaux, avec des avions, en Albanie, donc on a le droit quoi. On a le droit de nous mettre là-bas, donc on fera ça plus tard et on verra comment on fera même en triche s'il faut faire. Puis vient ici les aides, qu'est-ce qui se passe? Ben oh mince, qu'est-ce qui s'est passé donc en Angola? Et ben il y a eu la famine. Par exemple en Allemagne il y a eu le vague de froid et on peut les aider si on a envie d'aider un état. On peut leur distribuer par exemple, je ne sais pas moi, 20 millions d'euros. Et ben on leur offre 20 millions d'euros pour la vague de froid. C'est très rare que j'aide comme ça, mais bon, s'il faut, on aidera. Puis vient donc la famille, donc la partie où ce que donc de l'ONU. L'ONU, donc c'est l'Organisation des Nations Unies. Et ça, on verra plus tard parce que voilà, moi, je ne comprends pas trop. Donc, voilà. Alors, vous n'êtes pas membre monétaire, vous pouvez donc pas adhérer à la Banque Nationale, donc tant pis, je n'adhère pas pour le monde, ben, je ne sais pas l'adhérer, donc on verra ça plus tard. Puis vient ici, donc l'Union Européenne. Bien sûr, on est dans la zone euro. Comme on est dans la zone euro, c'est là où est-ce qu'on va demander, par exemple, le prêt de l'Eurogroupe, donc un prêt qu'on pourra nous donner, donc voilà. On aura un versement par la Commission européenne et c'est eux qui nous diront ce qu'on peut faire. Par exemple, on peut savoir les ordres du jour, par exemple. On peut demander, on peut leur soutenir publiquement aussi. Puis après, on a les autres organisations, voilà, que vous voyez ici, donc les ONG. ONG, donc par exemple, les associations mondiales contre le libéralisme. Les non-membres, c'est tout ce qui est le G7, le G27, l'ALENA, ALBA, le CPI qui est ici, le CPI donc est pour la justice. Voilà. On est membre donc de l'ESA, de l'OECD, de l'OMC et de l'OTAN. Donc que je viens de refaire ici l'OTAN parce qu'on y était plus. Et puis après, on a la nouvelle organisation si on a envie de créer une nouvelle organisation. Alors, tout ce qui est ici donc est repris donc dans le carnet. Donc j'évite de faire celui-là donc parce que moi je m'intéresse pas du tout, sauf à mon parti. Donc là c'est notre parti à nous, tous les partis. Puis suivant ici c'est notre parti. Par exemple moi je veux leur mettre par exemple 10 millions. Voilà. Je vais un peu tricher, donc j'ai marqué 10 millions. Et ben, je vais leur mettre 10 millions d'euros pour eux. Donc voilà, donc les 10 millions vont mettre là. Sauf qu'on n'a pas le droit de mettre 10 millions. Donc on va mettre 7 millions par exemple.
Voilà, j'ai mis 7 millions et on a eu 7 millions qui est ici. Donc voilà. On va voir ce que ça donnera. Donc voilà, recette totale 7 millions 38. Donc il est marqué ici. Oui, je sais, j'ai triché un petit peu, mais voilà, pourquoi pas tricher aussi. On a mis des boutons, c'est pas pour rien, pour tricher. Ici, ce sont les syndicats, les associations, les religions, là, les sectes, que j'aime pas du tout, les sectes. Et là, les personnalités, donc les personnalités comme les intellectuels, donc les intellectuels qui sont les médecins, etc. Mais ça, on y reviendra donc plus tard. Et ceci, donc, est donc repris une petite carte qui est ici, avec le pose, le plein, les jours, la semaine, le mois. Puis là, on a la carte complète, par exemple, une petite carte complète, pour savoir, là, c'est tout ce qui est infrastructure. Là, la carte militaire, la carte copain, quoi, copain, la carte, attendez, copain, alors, la carte économique, comparatif, enfin, bref, donc, par exemple, on peut savoir toutes sortes de trucs, par exemple. La classification, ben, on est classé 80e par population, donc voilà, on sait déjà qu'on est classé comme ça. Donc on a une carte économique qui se trouve ici. Donc on a les alliés qui sont mis en vert. En rouge, attention, ce sont nos ennemis. Donc on doit faire très attention. En blanc, ben, ça veut dire qu'ils sont neutres avec nous. Et voilà, et notre territoire est en petit bleu qui est ici. Puis on a la carte stratégique. Donc la même chose que la carte que je vous ai montrée juste avant. Puis on peut centrer la carte électorale qui se trouve ici. Alors on voit bien qu'ici, ben, on a une carte électorale du mouvement. Donc les répartitions de vote sont ici. Donc on a super bien gagné la dernière fois. On a gagné 44,6%. Donc ben, avec mon assistante, ben, on était super content. Parce que voilà, j'avais gagné enfin les élections après 2 ans de jeu, 2 ans de jeu. Mais bon, pas en réel, hein, bien sûr, 2 ans de jeu d'ici. Et voici donc le dernier chapitre qui est donc ici. Où ce que il marquait 100%, c'est la popularité. Le 0% que vous voyez ici, c'est tout ce que les gens disent sur vous. Donc voilà, s'ils sont contents, par exemple, ici c'est autoritarisme, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais par exemple, l'intervention de l'armée, première butée, mais sur action populaire, propos de la presse, tout ça, il faut éviter. Puis on voit bien que la popularité il est ici, on a l'information me concernant, on a les missions, le score, on a l'agenda qui se trouve ici, voilà comment est l'agenda, on peut mettre qui on veut dans l'agenda. On a un journal qui est ici, donc voilà le journal, attendez, le dernier journal ici qui dit qu'en fait qu'il y a eu un trouble, oui on a eu un émeute, donc on a dû, j'ai dû faire en sorte que tout va bien. Là c'est tout ce qui est budget, donc voilà on peut reprendre, sauver. Absolument reprendre dans c'est ici. Là, c'est tout ce qui est graphique. Par exemple, le PIB, par exemple. Les prévisions 2020 pour la Belgique, ben, on sait que ça monte, donc c'est super. Donc, on a une bonne. Puis, on a ici pour les options sonores. Et là, c'est pour la sauvegarde qu'on va faire. Donc, maintenant, voilà ce que c'est une sauvegarde. Ben, voilà, on sauvegarde. Voilà, parfaitement, on sauvegarde donc le jeu. Et donc sur ces petites paroles, donc je vous dis donc à très vite, donc pour la suite donc des vidéos pour Geopolitical Simulator 4 que je vais faire donc bientôt dès que je m'aurai occupé donc de ma petite parce que je dois m'occuper de ma petite parce qu'elle est un petit peu malade aujourd'hui donc elle a une petite gastro et on se retrouve donc bien vite. Voilà, c'était donc Titi à l'antenne et bisous les amis!